spectateurs de la radio-télévision La Voix de la démocratie congolaise, Panorama d'Afrique. Merci et de suivre l'ABDC partout à travers le monde. Nous sommes à Kinshasa, en République démocratique du Congo, et nous vous parvenons à partir de New York aux États-Unis d'Amérique grâce au savoir-faire de notre confrère Don Kaimbe. Et sur ce plateau, nous recevons Maître Gustave Kemou. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Maître, avec vous, nous allons parler du travail. Nous avons vu le 1er mai, beaucoup d'organisations syndicales en train de festoyer la journée internationale du travail, la journée internationale du travail. Comment, à votre niveau, vous, en tant qu'avocat au barreau de Kinshasa Matete, vous concevez ce que c'est que la journée internationale du travail? Merci, monsieur le journaliste, par rapport à cette question. Le travail, c'est d'abord quelque chose qui ennoblit l'homme. Le travail en son sein, c'est tout ce que tout humain voudrait avoir comme activité. Dans notre pays, le code du travail, en son article 1, 2, 3 jusqu'à 7, le législateur congolais consacre le travail comme étant le bien suprême de l'homme. Pourquoi? Parce que le travail ennoblit l'homme. Dans notre pays, à cette période de la pandémie Covid-19, la plupart de nos entreprises ont passé ce jour fatidique où l'homme doit s'intérioriser, faire une remise en question par rapport au travail qu'il entreprend. Cette journée est passée dans la méditation. Oui, c'est ça la primaire de la question que je voudrais vous poser. Voilà. Maintenant, c'est passé sous la méditation. Est-ce que leur travailleur, étant confiné, étant dans l'état d'urgence, ça ne fonctionne pas, se retrouve? Bon, il y a partout ailleurs, certaines entreprises se sont organisées de manière à permettre à leurs agents de pouvoir se retrouver en cette période de confinement. Mais pour le cas de la RCD, de la RDC, parce que c'est notre pays, nous, en tant que techniciens de la question, nous avons inventorié, fait des enquêtes, si vous voulez, par rapport à ça. On a compris que la pandémie est venue nous surprendre et que la plupart d'entreprises n'étaient pas encore préparées quant à ce. Ce qui fait que certains qui avaient déjà payé à l'avance certains de leurs travailleurs, ceux-ci se sont organisés. Mais je vous dis que dans l'ensemble, la question du travail dans notre pays, qui laisse encore couler beaucoup d'encre, quant au contrat de travail que les employeurs doivent faire signer aux employés, ceci pose encore le problème. Je ne voudrais pas creuser trop dans cette question, mais je voudrais seulement vous dire que nombreux n'étaient pas préparés par rapport à cette situation. Ce qui fait que il y a beaucoup de questionnements quant à ça. Maître, merci pour avoir éclairé à nos téléspectateurs par rapport à cette question pendant cette période de crise que la République démocratique du Congo traverse, non seulement la République démocratique du Congo, mais aussi autant de pays à travers le monde. Mais nous avons vu à votre niveau, vous en tant que maître, avocat au barreau de Kinshasa Matete, vous avez institué une sorte de travail d'une manière privée. Et cela s'appelle paiement culture ou paiement culturel. Bon, nous ne comprenons pas. Ou c'est parce que vous-même, vous êtes animateur culturel, ou c'est comment? La permaculture, c'est une forme de travail qui est essentiellement tournée vers la femme seule. Tournée vers la femme? La femme seule. C'est-à-dire vous voulez valoriser la femme? Dans la femme monoparentale. Ok. Et la fille mère. Et la fille mère. Oui. Pourquoi? Notre intention va en direction de
ces personnes-là ou cette catégorie de personnes parce que nous avons inventorié dans notre population, on a compris que c'est une couche de la population qui est vulnérable. En tant qu'animateur culturel, nous avons pensé mettre sur pied l'encadrement de la femme seule, la femme seule, oui, monoparentale, ou alors la fille mère, au travers un travail qui va leur régénérer une activité génératrice de revenus. Est-ce que vous leur dotez des moyens, des coûts, ou vous leur donnez de l'argent pour parvenir à cela? D'accord. L'argent, c'est l'idée. Ce que nous pensons mettre dans la femme, c'est lui donner les capacités nécessaires pour pouvoir voler de ses propres ailes. Comment? Nous sommes un centre de formation permaculturelle. C'est-à-dire quoi? La permaculture, c'est une façon de cultiver, mais avec une méthode de culture ou de labour moderne. C'est-à-dire que vous avez des champs à exploiter d'une manière agricole. Nous avons déjà 25 hectares au niveau du Bas-Congo. Dans la collectivité Selo, nous sommes ici à Kasangoulou. C'est à quelques kilomètres de la ville de Kinshasa. Là-bas, nous avons 25 hectares, vous verrez les images. Dans ces 25 hectares, nous avons réuni au moins 25 femmes qui vont apprendre avec nous, qui apprennent déjà avec nous les techniques de labour modernes. Qui consiste en quoi? Qui consiste en ceci, monsieur le journaliste. La permaculture, je suis de formation animateur aussi, en dehors d'être juriste. La permaculture, c'est une espèce de labour qui consiste sur une surface donnée de réaliser plusieurs cultures. Vous pouvez cultiver l'igname, vous pouvez cultiver la canne à sucre, vous pouvez cultiver le manioc, l'arachide, le maïs, les niébés, au même endroit. Dans un même endroit, mais pas au même moment. Pas au même moment, voilà. Oui, après 3 mois, vous pouvez récolter le maïs et replanter les niébés. Mais pourquoi? Parce que le secret ici, c'est comment? Le secret de cette culture multiple, au même endroit, avec une terre qui ne va pas brûler, avec une terre fertile, le secret, c'est l'entretien de cet endroit. Avec l'agriculture, plutôt la permaculture, vous allez planter des arbres. Vous prendrez par exemple l'avocatier autour de vos champs. Le feuillage de l'avocatier tombe sur la surface de la terre. Et ce feuillage pourri au niveau de la surface de la terre, vous labourez la terre au même rythme. Je vous assure, monsieur le journaliste, que ce feuillage constitue une teneur en engrais chimiques que vous ne pouvez pas calculer. Maintenant, dans notre pays, et comme vous voyez, nous sommes de climat tropical humide. Ouais. Et ici, il y a deux sortes de cultures, intensive et extensive. Mm-hmm. Mais vous dites que vous le faites d'une manière intensive ou extensive? Nous le faisons d'une manière intensive. Mm-hmm. C'est-à-dire, chez nous, avec la permaculture, c'est une méthode qui n'avait jamais été adoptée par nos agriculteurs. Nos agriculteurs qui, hier, était dans une optique d'une agriculture de subsistance, l'approche a changé avec les méthodes et techniques de labour moderne. C'est-à-dire que nous défrichons d'abord l'espace en y mettant plusieurs feuillages qui vont pourrir sur cet endroit-là. Ça crée une forme de serre. Est-ce que vous le faites en forme de bandes de terre? Nous dressons d'abord des sillons. Nous dressons d'abord le plate-bande. Et tout autour de ces plate-bandes, nous avons planté des arbres. Et nous avons besoin de ces arbres-là pour récolter, à une certaine période, le feuillage
qui vont tomber sur la surface de la terre qui est déjà remblayée. Il y a une laboureuse et une laboureuse qui passe, hein, avec nos mains, nous labourons la terre. À un certain moment, nous défraîchons sur cet espace de la terre, on met le feuillage, ces feuillages vont pourrir. On va à un certain moment prendre cette terre et prendre ces feuillages-là, le renfermer dans la terre. Vous voyez, il y a ce qui va se passer, il y a une forme de serre qui est formée à l'intérieur de cette bande de terre. Et après, vous prenez les cultures, vous plantez. Nous voudrions un peu savoir, depuis que vous avez commencé ce système, est-ce que vous avez eu des résultats escomptés? Les résultats escomptés sont tels que nous avons expérimenté avec un groupe de 25 femmes sur une surface de terre de 1 hectare. Et dans le 1 hectare, nous étions en mesure de donner du travail à 25 femmes. Comment? C'est-à-dire, nous avons planifié l'espace de la terre. Sur 1 hectare, on a ressorti 15 grandes plates-bandes. Et sur ces plates-bandes, nous avons mis l'ananas, nous avons mis le canne à sucre, nous avons mis le bananier. Alors, autant de cultures, ça fait que nous avons récolté plus que prévu, même des papayers, parce que nous avons des boutures qui ne poussent pas tellement en hauteur, mais qui, à un certain niveau, peuvent vous produire 15 à 10 papayers. Des petits arbisseaux comme ça, mais avec de gros fruits comme ça, de papayes. Et lorsque vous avez 10 papayers plantés, vous avez 10 par tige. Lorsque vous avez 10 arbres, voilà ce que vous avez. Vous avez 100 papayes en espèce. Et le papaye sur nos marchés, c'est dans le 2000, 3000 francs. Et lorsque vous avez 100 papayes à 3000 francs, bien mûris, de très bons fruits, appétissants, délicieux, imaginez, rien qu'avec 100 fruits, combien vous avez dans votre vaisselle. Maintenant, comment vous parvenez à rémunérer ces femmes qui sont en train de travailler? Ces femmes se rémunèrent seules. C'est-à-dire, notre système de travail est comment? On ne paye personne, mais tous nous nous concentrons. Le produit du champ sont divisés selon l'effort de X, Y femmes qui vont contribuer. Nous nous appesantissons sur la femme parce que c'est la couche qui est plus vulnérable, je venais de le dire dans mon exemple. Est-ce que c'est seulement les femmes mariées ou les femmes... Les filles seules, les filles mères ou toute autre personne désireuse de vous approcher, être approchée? Nous pensons essentiellement nous encadrer avec cette catégorie de la personne. Des veuves? Oui, de veuves ou de femmes monoparentales. Ou alors les filles mères, parce que cette catégorie, si elle est en manque, c'est le plein rétablissement de nous. Imaginez, leur premier réflexe, si elles sont en manque, ça serait la prostitution. Et que dans notre pays, où le travail devient d'abord un premier problème, vous voyez, lorsqu'une fille est en manque, une femme est en manque, elle est à la merci de qui mieux mieux. Et ça, c'est le VIH-Sida qui s'annonce, qui pointe à l'horizon en ce moment-là. En ce moment, nous n'aurons pas gardé cette fille dans son existence. Nous allons la perdre. C'est comme ça que nous avons réfléchi, au travers le projet des centres de formation permaculturelle, d'encadrer la femme seule et d'encadrer la fille mère. Pourquoi? Parce que ce sont des couches de la population qui sont vraiment vulnérables. Mais revenons maintenant entre permaculture et le travail. Comment trouvez-vous? Est-ce que vous, en tant que maître avocat au Bagon de Kinshasa Matete, en tant qu'animateur culturel, lorsque vous faites les tours d'entreprise, est-ce que vous vous rendez compte que les femmes monoparentales qui y travaillent sont essentiellement considérées comme travailleurs ou utilisées au service? Bon, c'est un terrain qui est vraiment glissant.
Mais par souci de méthode, j'aimerais quand même ramasser quelques bribes de solutions qui pourront vous satisfaire. Il y a non seulement dans les administrations, vous savez, cette question, elle est fruit de l'éducation de tout un chacun au sein d'une entreprise. Monsieur le journaliste, je tiens à vous dire que nous sommes le produit de nos familles. Une femme qui a une éducation chrétienne, monoparentale ou femme seule, là où elle va, elle s'est dit, c'est le travail qui m'ennoblit. Je respecte mon travail, je respecte mon contrat en tant que tel dans cette entreprise et je retourne chez moi à la maison. Mais il y en a d'autres qui font les opérations canapé, soit pour bénéficier de plusieurs missions. Ah, mais moi, depuis que j'ai signé ce contrat, il y a les autres qui vont en mission, moi je ne vais jamais en mission. Que faire? Qu'est-ce que les autres font pour obtenir ce genre de grâce? Alors, ils vont chercher à définir des termes, des moyens tortueux pour pouvoir accéder à des mérites. À des mérites. Voyez-vous? Et c'est là le problème. Là, c'est dans la catégorie de celles qui travaillent. J'illustre en passant cette catégorie-là. Mais ceux qui ne travaillent pas, je vous dis qu'ils sont soumis à de pires formes de travail. Et c'est là où nous signons. Nous lançons un cri d'alarme. Et on en appelle à qui mieux au travers votre passage, votre caméra, pour dire à tous les autres frères africains au travers le monde que nous ici, dans la permaculture, nous sommes en train de gérer l'après-corona. Parce que maintenant, toutes les économies sont presque par terre. Et après-corona, qu'allons-nous faire? Qu'allons-nous devenir? Voilà, c'est ça notre souci. C'est un cri d'alarme que nous lançons au ministère de l'Agriculture, en RDC, aux partenaires qui peuvent nous prêter la main forte, qui maîtrisent mieux l'approche permaculturelle, qui peuvent nous tendre la main pour leur dire qu'à Kinshasa, sur l'avenue Riviera, au numéro 6, nous sommes en train déjà, avec un groupe de 25 femmes, en train de fournir un travail de titan pour pouvoir encadrer cette dernière, enfin qu'elle mérite le respect de l'homme, enfin qu'elle mérite le respect dans son pays, enfin qu'elle puisse aussi croire à ses rêves. Et réaliser ses projets. Est-ce que ces femmes continuent avec vous ou après vous les doter de moyens pour voler de leurs propres ailes? Le souci de notre travail, c'est celui-là. Nous les encadrons sur un terrain de 1 seul hectare. C'est un encadrement qui est en même temps pratique et théorique. Dans cet encadrement, elles ont 1 heure du temps pour apprendre la théorie et 3 heures du temps pour exercer la pratique, donc dans l'ensemble 4 heures par jour. Aujourd'hui, on s'est dit, nous commençons avec le champ de canne à sucre. Et avec le champ de canne à sucre, lorsque la main d'œuvre locale est déjà passée, on a débroussaillé, on a remblé le terrain, on a dressé les sillons, on a monté des plates-bandes, les femmes viennent. Nous entourons la plate-bande. Le moniteur agricole nous donne une série, une batterie de théories, avec pratique bien sûr. Et le reste, ce sont les femmes qui se lancent pour labourer. Voyez, maître, ici, nous sommes en train de parler du travail. Vous avez fait voir comment le travail étant institué jusqu'à permaculture. Maintenant que nous sommes en train d'étendre à la fin de notre émission, quel est l'appel que vous pouvez lancer aux autres entrepreneurs, qu'ils soient d'une firme, qu'ils soient d'un poste pharmaceutique, qu'ils soient d'une autre organisation non gouvernementale, mais qui s'utilisent les femmes dans l'exercice de leur travail? Nous disons ceci aux autres firmes qui utilisent les femmes
que la femme, c'est une valeur. La femme, c'est l'égal de l'homme. La femme, c'est tout ce que l'homme possède de précieux sur cette terre des hommes. Si cette dernière est très bien comprise, si cette dernière est dotée d'une formation capable de pouvoir prendre en compte les intérêts de tous et de chacun, c'est le développement dans son plein sens du mot. Parce que c'est une personne qui est capable d'intérioriser une formation et de la restituer fidèlement, à l'instar de son comportement vis-à-vis de sa famille, vis-à-vis de son mari, ou alors vis-à-vis des responsabilités qui... La femme ici, je parle d'une manière générale, mais celle dont nous occupons, nous encadrons au niveau de permaculture, c'est la femme seule, c'est la fille mère. Mais je parle ici d'une femme d'une manière générale. Et qui se retrouve dans son foyer, qui est capable de nourrir correctement son foyer. Son foyer. Et vous trouvez que si quelqu'un est engagé dans une société, n'est pas bien rémunéré par rapport à vous-même qui encadrez des femmes dans la permaculture. Je n'ai pas bien compris la question. C'est-à-dire que si quelqu'un est dans une entreprise, oui, et l'entreprise gagne moins par rapport à ce que cette femme peut gagner chez vous dans la permaculture. Nous ne disons pas que nous sommes une solution porteuse de réponses. Mm-hmm. Nous ne disons pas ça, des réponses exactes. C'est une œuvre humaine qui souffre aussi de certaines imperfections. Mais ce que nous disons, c'est quoi? Que la femme, si elle a bien maîtrisé la poche, à l'instar de celle qui est laissée par le mari, il lui a laissé 500 francs avec un peu d'huile, un peu de farine, un peu de sel dans la maison. Mais le mari part, il rentre, il trouve quand même un petit condiment. Il peut manger et réfléchir à autre chose. Celle-là est capable aussi de prendre en compte de grandes réalisations et étonner aussi le monde. Nous avons dit. Merci. Merci. Chers téléspectateurs de la radio-télévision La Voix de la démocratie congolaise, Panorama d'Afrique, nous disons merci à Maître Gustave Kemou. Maître, merci d'avoir répondu à notre appel. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Nous disons merci à Don Kayembe pour la coordination et la réalisation. Merci à José Kapajika pour sa ténacité d'assistance dans ce travail. Merci à Théodore Bakatuila derrière la caméra. Merci à vos téléspectateurs qui nous suivent à travers le monde entier. Merci. Nous allons nous retrouver à la prochaine. Mais suivez-nous sur www.lavdc.net, soit sur www.mediaforafrica.net ou sur notre page YouTube Info RD Congo avec Maître Gustave Kemou. Nous avons parlé sur le travail et les résolutions et les résultats à partir des permacultures. Merci. Nous allons nous retrouver à la prochaine pour un nouveau numéro. Au revoir.